La foi, qu'est-ce que c'est? Une question que tellement de gens se posent dans notre monde d'aujourd'hui. Cette foi est la décision de faire confiance aux témoins qui nous parlent de Dieu. Et surtout, cette foi organise notre vie en conséquence. Cette foi est libre. Elle relève de la décision intime de chaque homme et de femme, et Dieu donne son aide, si on demande. Un exemple précis. Je crois en Dieu, le Fils et l'Esprit. Donc, je suis un témoin par tradition, et non un témoin oculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai pas moi, dans ma vie humaine, vu. Donc, je suis un témoin de tradition. Et ceux et celles qui ont vu, c'est les gens autour de Jésus, les apôtres, qui ont connu Jésus personnellement. Donc, je n'ai pas vu, donc je fais confiance. La foi est un mot du vieux français qui dérive du latin et qui signifie confiance et engagement. Donc, croire veut dire penser que, mais sans preuve. Alors, est-ce qu'on fond les croyants, ils croient ce que leur rapportent les témoins? Donc, ils croient ce qui a été rapporté dans l'histoire, ceux de la Bible surtout, ceux de l'histoire, et surtout ceux que on voit dans notre société d'aujourd'hui, les gens très, très, très impliqués dans ce monde-ci, des témoins. Oui, Dieu est invisible. Et Jésus a vécu il y a 2000 ans. Nous savons sur lui que ce que la Bible nous rapporte, les témoignages. Ce qui me frappe le plus, c'est que tout se fait dans un contexte de grande liberté, de faire confiance à ces témoignages. Pour certains, la foi, c'est facile. Pas trop réfléchi, dire plutôt naturel. Chez d'autres, au contraire, la foi est plus difficile, ou dire plus critique. Ils veulent croire, mais ils éprouvent des doutes. Cette foi est commune à beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui. Dieu nous aide à franchir les obstacles. Ben oui, on le demande par son esprit, hein, et nous donne l'audace à cette confiance. Et oui, nous pouvons naturellement demander à Dieu de nous aider à croire. Dans la foi, c'est cette rencontre et cette jasette, cette discussion avec Dieu. Et je fais une prière dans ma simplicité, dans toute simplicité. Il ne faut jamais oublier que prier, c'est d'abord une attitude intérieure et qui se transforme dans une disposition extérieure. Parce qu'on est un corps, on vit dans un corps. Ma prière a été, dans toute ma vie, a été influencée par Saint François d'Assise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que François a vu dans sa vie que les dirigeants, les croyants, ne parlait pas vraiment de Dieu, mais il restait dans le paraître. Vous êtes très superficiel et loin de la réalité humaine. Voilà ma prière. Seigneur, dans le silence de ce jour, je te demande la paix dans mon cœur, la force de bien vivre la journée. Je veux regarder le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient,
doux et surtout voir au-delà des apparences. Seigneur, aide-moi à voir le bien dans les gens que je rencontre. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que je sois joyeux et que tous ceux que je rencontre le sentent. Que je sois rempli de ta présence par mes actions. Réveille-moi, Seigneur, à la beauté de ce monde que toi seul as créé. Amen.